The title of my message today is Le titre de mon message ce soir est How to walk through an open door. Comment marcher, passer à travers une porte ouverte. Yes. So if you have your Bible with you, go with me in the book of 1 Corinthians. Si vous avez votre Bible avec vous, allez avec moi dans le livre Le Épître de Paul, le premier épître de Paul aux Corinthiens. Chapter 16. Le verset chapitre 16. Verse 9. Le verset 9. 1 Corinthians chapter 16. 1 Corinthiens 16. Verse 9. Verset 9. That was a good speaking in tongue right there. 1 Corinthians chapter 16, 1 Corinthiens 16, verse 9. Verset 9. The Bible says, La Bible dit, For a great door, pour une grande porte, and effectual is open unto me. Qui m'est ouverte? And there are many adversaries. Et il y a beaucoup d'adversités. No, there are many adversaries, enemies. Il y a beaucoup d'ennemis. You looking for it? Yes. For a great door and effectual is open unto me, and there are many enemies. You can just translate literally. Car une porte est grande et d'un accès efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux. Amen. 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 How to walk through an open door. Comment marcher à travers une porte ouverte? Because one of the things that I've realized in my experience as a Christian. Parce que une des choses que j'ai expérimenté dans mon expérience chrétienne is that God often open doors for us. Dieu souvent il ouvre la porte pour nous. Different kind of doors. De différentes portes. To experience Him. Pour expérimenter. To experience Him. Pour l'expérimenter. He open different kind of doors. Il ouvre une différente sorte de porte. For our blessing to be manifest, for us to walk into our blessing. Pour que notre bénédiction soit manifestée, pour nous d'entrer et de marcher dans cette bénédiction. He opens doors sometimes for us to move into another dimension with Him. Il ouvre la porte pour nous des fois pour marcher, aller dans une autre dimension avec lui. It could be a dimension in power. Ça peut être une dimension dans la puissance. A high dimension in the experience of the gift of the Spirit. Une haute dimension de l'expérience des dons de l'Esprit. In the knowledge of Him. Dans la connaissance de It Dieu. It could be a door of a financial blessing. Ça peut être une porte d'une bénédiction financière. Many, many doors, often we ask God to open, He does actually open them. Beaucoup de portes que nous demandons à Dieu de les ouvrir, il les ouvre. It's because the Bible says, parce que la Bible dit, if you knock at the door, si vous frappez à la porte, it shall be open. Il vous sera ouvert. So as a child of God, it's the answer to our prayer. So, la réponse à nos prières is a covenant. C'est une alliance. It's not a promise, it is a covenant. Ce n'est pas une promesse, mais c'est une alliance. So a covenant means God will do it. And une alliance dit que Dieu le fera. He will do it. Il le fera. And I like that covenant. Et j'aime cette alliance. Because he say that on our part, parce qu'il a dit de notre côté, the only thing we need to do, la seule chose que nous devons faire, is to ask. C'est juste demander. If you ask, si tu demandes, it shall be given. Il vous sera donné. If you seek, si vous cherchez, you will find. Vous allez trouver. If you knock at the door, si vous frappez, it shall be open. Il vous sera ouvert. So God does open door for us. Donc Dieu ouvre les portes pour nous. But many of us, mais beaucoup d'entre nous, we find it difficult to walk through the open door. Nous trouvons très difficile d'entrer dans ces portes. So today I'm going to show you aujourd'hui je vais vous montrer how you can walk in an open door comment of divine vous pouvez marcher entrer dans une porte ouverte
dans la foi. Because what God was showing me, parce que ce que Dieu me montrait, I was talking with a friend of mine in who lives in Canada. Je parlais avec un frère, un ami à moi qui vit au Canada. And as we were talking, et comme on était en train de parler, she told me, elle m'a dit, that this coronavirus has really affected the world. C'est que ce COVID-19, ce coronavirus a vraiment affecté le monde. And especially the church. Spécialement l'église. He said that the church has lost so many things during this time. Elle a dit l'église a perdu beaucoup de choses pendant ce moment. And then as we was talking, I heard the Holy Spirit telling me. Et pendant que nous étions en train de parler, j'écoutais le Saint-Esprit. The church has not lost anything. Que l'église n'a pas perdu quelque chose. Matter of fact, en fait, the church is becoming more, even more powerful. L'église than devient before. De plus en plus fort, puissant. Because when you think you are weak, parce que quand tu crois que tu es faible, it's in that moment that you are strong. C'est en ce moment que tu es fort. Are you guys with me? Êtes-vous avec moi? The Lord told me when you think you are weak. Dieu m'a dit quand tu crois que tu es faible. It's when you are strong. C'est en ce moment-là que tu es fort. And he said after this. Et il a dit après ceci. You're gonna see an emergence of a powerful church that will demonstrate the power of the kingdom of God. Vous verrez une émergence de l'église qui va démontrer la puissance de Dieu. So we are about to witness. Nous sommes sur le point de montrer the Jesus of the Bible, le Jésus de la Bible, becoming real and walking on our streets. Devenir véritable marchant dans we're gonna see Jesus in hospital. Nous allons voir Jésus dans les hôpitaux, in manufacturers, dans les usines. In people's homes, dans le maison de paix des gens. I'm not saying that Jesus is going to come down. Je ne dis pas que Jésus va venir. But Christ lives inside of us. Mais Jésus qui vit en nous. He will awaken you. Il va vous réveiller. To the place where you will begin to understand who He is in another dimension. Jusqu'au point où vous allez commencer à comprendre que c'est une autre dimension. And the Lord told me. Et le Seigneur m'a dit. This is the time of tremendous favor. C'est un moment d'une grande faveur. A time of the fulfillment of many promises. Le temps de l'accomplissement de beaucoup de promesses. It's a time of answer prayers. C'est le temps de réponse aux prières. There are many prayers that you made that date maybe 10, 5 years ago. Il y a beaucoup de prières que vous avez faites il y a 5 ou 10 ans passés. That the Lord say in this moment, que le Seigneur a dit en ce moment, il va répondre. Somebody say amen. Quelqu'un dit à quelqu'un. Some of you have tried many years ago. Quelqu'un d'entre vous a essayé beaucoup d'années. In doing many ventures in life. A essayé beaucoup de choses dans la vie. But you fail. Mais vous avez échoué. But the Lord is saying that in this season, mais le Seigneur est en train de dire en cette saison, the door for you to go far with Him has been opened. Que la route, les portes pour vous d'aller loin avec lui a été ouverte. Whatever caused the door to be closed, the Lord has removed it. Ce qui faisait à ce que les portes soient fermées, l'Éternel a enlevé cette chose. Can somebody say amen? Quelqu'un dit so amen. So an open door is in front of you now. Il y a une porte ouverte devant vous. I say an open door is in front of you now. Il y a une porte ouverte devant vous maintenant. I don't know, your door may lead you to something different. Je ne sais pas, ta porte pourra t'amener dans une chose différente. For you, it could be a door of financial prosperity. Pour toi, ça sera peut-être une porte de prospérité financière. It could be a door to succeed in business. Peut-être ça sera une porte pour réussir dans les affaires. It could be a door to have kids. Ça peut être une porte pour avoir les enfants. It could be a door to a good marriage. Ça sera peut-être une porte pour un très bon mariage. It could be a door into a powerful ministry. Peut-être une porte pour a powerful ministry, c'est-à-dire un ministère puissant. The Lord told me, le Seigneur m'a dit, to tell you prophetically, de dire prophétiquement, the door is open, que la porte est ouverte. Some of you, the door was already open. Il y a donc quelques-uns d'entre vous, la porte était déjà and ouverte. And you began to walk through that door. Et vous avez déjà commencé à passer dans cette porte. But the Apostle Paul says something. L'apôtre Paul a dit quelque chose. He said, a great door is open. Il a dit une porte grande est ouverte. A very effective door. Et une porte très 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 effective. Yeah. And he said that, but there are many
enemies in front of me. Il a dit, mais il y a beaucoup d'ennemis devant cette porte. He said, God has already opened the door. Il a dit, Dieu a déjà ouvert le port. For me to walk through the door. Pour moi, pour passer. But there are many enemies. Mais il y a beaucoup d'ennemis. Right in front of me. Juste devant moi. So many people do not walk through the open door. Beaucoup de gens ne marchent pas dans cette porte ouverte. That is open in a season of their life. Qui a été ouverte dans une saison de leur vie. Because they don't know how to deal with the enemy standing in front of them. Parce qu'ils ne savent pas comment opérer avec le diable qui se tient devant eux. But you cannot deal with an enemy unless you identify what kind of enemy stand in front of my door. Tu ne peux pas traiter avec l'ennemi que tu n'es pas à mesure d'identifier quel genre d'ennemi est devant moi. Because every time your season change, parce qu'à chaque fois que votre saison change, every time God wants to change you into another place, à chaque moment que le Seigneur veut vous changer d'un endroit à un autre, there will always be enemies that will stand to prevent you from going where God wants you to go. Il y aura toujours des ennemis qui vont chercher à vous arrêter pour ne pas aller là où le Seigneur verse que vous soyez. I give you an example. Je vous ai donné un exemple. Israel time was for them to get out of slavery. L'Israël, il est temps est arrivé pour eux de sortir de l'esclavage. God opened a door for them to go into the promised land. Le Seigneur a ouvert une porte pour eux pour aller dans la terre promise. But we see the king of Egypt. Mais nous avons vu le roi d'Égypte, Pharaoh. Pharaon, stood against them, qui s'est tenu contre eux devant stop eux, them from walking through the open pour les empêcher d'aller à la porte qui était ouverte. And even when Israel reached the promised land, malgré que Israël a atteint est arrivé dans la terre promise, the enemy living in the land, the Philistines, l'ennemi qui vivait dans le terre de Philistins, became enemy so that they would stop them from walking into the promise of God. Est devenu l'ennemi pour les empêcher à marcher vers la promesse de Dieu. Listen, what I'm telling you is prophetic. Ce que je vous dis est prophétique. Because I already walked through my open door. Parce que je suis déjà passé par ma porte ouverte. And I'm about to manifest some of the greatest demonstration of God's kingdom such as you've never seen before. Sur le point de manifester la and grande God puissance has already also opened a door for you. Et le Seigneur a déjà ouvert une porte pour now, vous. What, who are the enemy of the open door? Qui sont les ennemis qui se tiennent à la porte ouverte? So the Holy Spirit just gave me few enemies that I wanted to mention to you. Le Saint-Esprit m'a donné quelques esprits. Are you guys with me? Êtes-vous avec moi? You know, he gave me few names. Il m'a donné quelques noms. Yeah, few names. A few enemies that I need to mention. Il m'a donné quelques noms, quelques ennemis que je veux mentionner ce soir. Ultimately, the first enemy of every open door is the devil. Il a dit le premier ennemi c'est le diable. Ultimately, the first enemy is the devil. Ultimement, l'ennemi premier c'est le diable. Who will always stand against you so that you will never access the open door that God has for qui you. Il va toujours se tenir devant vous pour que vous ne puissiez pas accéder so à la porte ouverte. If you're writing, just write number one, the devil. Si vous écrivez numéro un, le diable. The enemy will stand against you. L'ennemi va se tenir contre vous. With the purpose of trying to stop you to walk through the open door. Avec comme objectif pour vous empêcher d'aller vers la porte ouverte. And the enemy will use many tactics. L'ennemi va utiliser beaucoup de tactiques. In order to stop you, I'm going to come back there. Afin de vous empêcher, je vais retourner. The second enemy. Le deuxième ennemi. Is your own flesh. C'est ta propre chair. Your flesh. Ta chair. Will stop you from walking effectively through the open door. Va t'empêcher pour ne pas aller à la porte ouverte. Number three, numéro 3, false brethren, false brothers and sisters, de mauvaises personnes, mauvaises compagnons. No, false brothers. C'est le faux frère et le faux sœur. False brothers and false sisters, they pray with you in the same church. Les gens, le frère et la sœur qui prient avec vous dans la même église, but who are not of God, qui ne sont pas de Dieu, but are agents of the enemy to use them to prevent others qui from sont walking des agents into the open door. Qui sont utilisés pour vous empêcher à aller dans la porte ouverte. And number three, le numéro 3, the enemy of an open door, l'ennemi de cette porte ouverte, is toxic people. Les gens toxiques, les personnes toxiques. Listen to me carefully, toxic people. Les personnes toxiques. And number five, le numéro 5, it's unbelief. C'est l'incroyance. Unbelief. L'incroyance. When you don't believe, quand vous ne croyez pas, it becomes an enemy to your open ça door. Devient l'ennemi à votre porte ouverte. What the Holy Spirit was telling me, c'est que le Saint-Esprit me disait, in this season, en cette saison, you need to be awakened.
Vous devez être vous réveiller in the spirit of discernment, dans l'esprit du discernement, to begin to know the tactics that the enemy uses in your life to prevent you from walking into the things that God is calling you to pour, do. Pour commencer à comprendre les tactiques que l'ennemi utilise pour vous empêcher d'accéder à cette porte ouverte. The good news is this. La bonne nouvelle c'est que God has already given us victory over Satan. Le Seigneur nous a déjà donné la victoire sur Satan. The victory over Satan is ultimate and is final. La victoire sur Satan est ultime et finale. Whenever God opens a door into your life, quand Dieu ouvre une porte dans votre and vie, you begin to discern a demonic activities coming against et vous you. Commencez à discerner une activité démoniaque venant vers vous. Like I told you the other day on Sunday and last Friday, comme je vous ai dit l'autre fois le dimanche et l'autre vendredi, you have complete authority over all the works of the enemy. Vous avez une autorité complète sur le travail de l'ennemi. Every newborn again believer, toute personne née de nouveau, born again today, née de nouveau aujourd'hui, has a legal authority over every demon in a them. Un pouvoir légal sur tout démon. It's just how you believe in what God has spoken c'est in juste, His word. C'est juste la manière dont vous comprenez, vous croyez la parole de Dieu. The number one thing is, la chose numéro un, you need to discern in my life. Vous devez discerner dans votre God votre has vie, already given me this promise. Que Dieu m'a déjà fait cette promesse. Because listen to me. Écoutez-moi. When you are a child of God, quand vous êtes enfant de Dieu, you will have the feeling of the season in which you are. Vous aurez les sentiments, la sensation de la saison dans laquelle vous êtes. Because a season, une saison, is not only it doesn't start at the beginning of the year. Ça ne commence pas seulement au début de l'année. Because usually what we do when the year comes to an end, parce que ce que nous faisons très souvent quand l'année arrive à sa fin, we make declaration. Nous faisons des déclarations. This is a new season. Ça c'est une nouvelle saison. It's a season of miracle. Ça c'est la saison de miracle. It's a season of opportunity. C'est une saison d'opportunité. But with God, season doesn't start at the beginning mais of the year. Mais avec Dieu, la saison ne commence pas au début de l'année, au mois de janvier. Actually, each one of us operate in a different season. Actuellement, normalement, chacun okay. d'entre nous opère dans une saison différente. A season can last 3 months. Une saison peut durer 3 mois. A season can last 5 years. Une saison peut durer 5 ans. A season can last 20 years. Une saison peut durer 20 ans. This, a season could be a season of trial. Une saison peut être une saison de preuve. It could be a season where you are exposed in all kind of trial in life. Ça peut aussi être une saison où tu seras exposé à toute preuve de la vie. A season could be a season as a nighttime season. Une saison peut être une saison de nuit where sombre, you don't fulfill so many things in life. Là où tu n'arrives pas à accomplir beaucoup de choses dans la vie. A season could be a season where you have to sow. Une saison peut être une saison où tu dois semer. Or it could be a season where you have to reap. Ou une saison où tu vas moissonner. When you are a child of God, mais quand tu es un enfant de Dieu, the Holy Spirit in you, le Saint-Esprit en vous, will always tell you the season in which you're living. Vous dira toujours la saison dans laquelle vous êtes. Because Jesus, parce que Jésus knew exactly the season of his life. Savait exactement les saisons de sa vie. Look in John chapter 7. Regarde dans Jean chapitre 7. The Bible says that when la Bible dit, his brother told him, quand son frère lui a dit, are you not gonna go in Jerusalem? Vous n'irez pas à Jérusalem? He told them, you go. Il leur a dit, allez. Because your time is now. Parce que votre temps est maintenant. But my time has not come. Parce que mon temps n'est pas encore arrivé. So he knew the season of his life. Donc il a su, il savait les saisons de sa vie. There are many people. Il y a beaucoup de gens. They might be in a season where God is asking them to sow. Peuvent être dans une saison où le Seigneur leur demande de semer. I'm not talking about sowing money only. Je ne dis pas qu'il faut seulement semer l'argent. You must sow in prayer. Tu peux semer dans la prière. Sow in fasting. Dans les jeunes. So maybe in studying. Dans peut-être en étudiant. But people will refuse to sow in the season of sowing, but they will try to reap in the season of sowing. Les gens ne voudront pas semer dans la saison de semer, mais ils vont chercher à récolter dans la saison de semer. And this is the reason why many people are in delay in life. Raison pour laquelle beaucoup de gens sont en retard dans la vie. The time is supposed to study. Le moment où il devait commencer. Yeah, to study. Étudier. It was the time he wanted money more than study. C'est le moment où il voulait beaucoup d'argent. So when you confuse the season of your life. Quand vous confondez les saisons, les saisons you de vos vies, delay your capacity to walk into the open door that God has for you. Vous
retarder la capacité de marcher à la porte ouverte que Dieu a ouverte. Si vous vivez vraiment dans l'esprit et marchez dans l'esprit, you will know in this season of my life, vous saurez en cette saison de ma vie. This is what the Holy Spirit wants to do. C'est voilà ce que le Saint-Esprit va ce que je fais. There are seasons you will know that God wants to release His power in my life. Il y a une saison où tu sauras que Dieu veut dégager sa puissance. You dans will ma know vie. In this season God is about to release something into my life. Tu saurais que dans cette saison Dieu est sur le point de faire quelque chose dans ma vie. Are you guys listening to what Est-ce I'm telling m'écoutez? You? Est-ce que vous écoutez ce que je dis? So what I'm telling you this, ce que je vous dis, that you have arrived in a very unusual season of your life. You have arrived in an unusual season of your life. Vous êtes arrivé à une saison vraiment pas usuelle de vos vies. Yeah. God is gonna do something that will begin to amaze you. Dieu fera des choses qui vont vraiment vous émerveiller. You won't even pray. You know there are seasons where you don't ask things that happening. Vous n'allez même pas prier parce qu'il y a des saisons où vous ne priez même pas beaucoup. Because it's the season where God said, "Now my favor is with you. You're gonna reap for everything you sow in life." Parce que Dieu va dire que dans cette saison, ma faveur est avec vous, vous allez récolter toutes choses que But when that moment arrives in your life, mais il y a des moments qui arrivent dans vos vies, the enemy also will sense something is happening in your life. L'ennemi aussi dira quelque chose qui arrivera dans vos Because vies. Because he always comes at a very opportune moment. Parce qu'il vient vraiment au moment opportun. To derail your walk into what God is doing. Pour vous dévier de la voie de Dieu. Because every time a believer prays. Parce qu'à chaque moment qu'un croyant prie, God always operates miracles. Dieu a déjà fait un miracle. God never say no when we ask him anything. Dieu n'a jamais dit non quand nous lui demandons Whenever quelque chose. You pray, God open a door. Tout le temps que vous priez, Dieu ouvre But une porte. What the enemy does, Mais ce que l'ennemi fait, sometimes he will send curses. Mais des fois, il va envoyer les malédictions so that he may confuse our mind, pour que ça puisse troubler notre esprit. So that we'll never be able to see what God is doing. Afin que nous ne soyons pas en mesure de voir ce que Dieu a déjà fait. Are you guys with me? Est-ce que vous êtes avec And moi? This is how you will know. Voilà comment vous allez savoir the enemy is sabotaging the door God has opened que l'ennemi est en train de saboter la porte que Dieu a ouverte dans that votre vie. Every time God, something good begins to happen in your life, à chaque fois que Dieu commence à faire quelque chose bien dans votre vie, always will come to il y a destroy. Toujours une chose qui va venir pour détruire. You begin to do business, vous allez commencer à faire les affaires. You begin to have money, vous allez commencer à avoir l'argent. Suddenly something comes and you lose it all. Du coup, quelque chose va venir et ravager toute chose. Et God Send a man in your life, et Dieu envoie le menu dans and votre vie. Something always comes to push away what God is doing in your life. Il y a quelqu'un qui va venir et vous pousser ce que Dieu a fait dans votre, amené dans votre vie. These are signs that the enemy is trying to block you from walking into the door God has opened in your life. Ce sont des signes qui montrent que le diable est en train de chercher à bloquer. But remember this. Mais rappelez-vous de ceci. Authority. Vous avez l'autorité. Are you guys with me? Êtes-vous avec moi? To look at the devil and tell him to move out of your way. Regardez le diable et lui dire sortez de mon the chemin. The devil has no legal ground. Le diable n'a aucun pouvoir légal to stop you from receiving what God is about pour vous empêcher à recevoir ce que Dieu a mis dans votre vie. Only when you don't know your authority, seulement quand vous ne connaissez pas votre autorité, you will begin to be afraid to use tu vas commencer à avoir peur de les utiliser. Because sometimes, parce qu'il y a quelqu'un, écoutez, this is where sin is bad. Voilà ce que le péché est mal. Because sin is the only thing parce que le péché est la seule chose that makes you believe qui vous fait croire that God can never listen to me que Dieu ne va jamais t'écouter I have this weakness in my life. Parce que vous avez cette faiblesse dans votre vie. No, listen to me. Écoutez-moi. This doesn't depend on you living in holiness or living in sin. Listen to me carefully. Le péché ne dépend pas de vous vivant. No, your authority votre autorité doesn't have se baser sur ce que vous êtes né de lui. Because I have this experience. Parce que j'ai cette expérience. What are so men of God? Je vis des hommes de Dieu. Listen, when I was a young believer, quand j'étais un petit croyant, when I was like 12 years old, quand j'avais 12 ans, I didn't even have the experience in life, right? Je n'avais même pas d'expérience de vie. I used to fight with my friend all day. J'ai l'habitude de me battre avec mon frère tous les jours. I used to steal milk in my mother's bedroom. J'avais l'habitude de voler le lait dans ma maison. But when we go to church, mais quand nous allons à l'église, we used to cast out demons. Nous chassions les They démons. They used to listen and obey to our voice. Ils avaient l'habitude de nous écouter et de See what it does in your life.
Sin, what it does in your life, le péché, ce que le péché fait dans vos vies, corrupts your mind, ça corrompt votre and esprit, it weaken your faith, et ça vous affaiblit, ça affaiblit and votre it foi, messed up your spiritual vision to your own identity. Et puis ça abîme votre vision spirituelle. That's why you should just live in holiness. Raison pour laquelle vous devez seulement vivre keep dans la sainteté your vision clear. Pour garder la vision claire. But I'm telling you this. Je vous dis ceci. If you're standing in victory, mais si vous demeurez dans la victoire, depended on you living in your right doing, c'est-à-dire dépendant de ce que vous faites, le bien que vous faites, the devil will have whoop you every time you sin. Le diable ne va will whoop you every time you sin, whoop you, beat you up. C'est-à-dire le diable ne va pas vous frapper. No, he will whoop you every time il you va sin. Vous frapper à chaque fois que vous péchez. But he doesn't do it because you are still under the grace mais of il God. Ne le fait pas parce que vous êtes sous la grâce de Dieu. I am not encouraging sin. Je n'encourage pas le but péché. I'm showing you something. Mais je vous montre quelque that chose. You should never always live with a mentality of judging yourself. Que vous ne devez pas seulement demeurer dans une mentalité de vous juger that à tout when temps. I sin, God doesn't like me. Ça dit quand je pêche, Dieu ne m'aime pas. When I don't sin, God loves me. Quand je ne pêche pas, Dieu m'aime. God doesn't love you because you walk right that day. Dieu ne t'aime pas parce que tu as été juste ce jour-là. He doesn't call you his son because that day you behave good. Parce qu'il ne t'appelle pas son enfant parce que ce jour-là tu t'es bien comporté. Even in your worst day, même dans ton mauvais jour, he loves you. Il t'aime. You are still his child. Tu es toujours son enfant. That's why he can also whoop you, discipline you because mais you're still making toujours the same mistake. Te discipliner but parce you que are tu es still a child of God. Mais tu es toujours enfant de Dieu. Because this is what the devil does. C'est que le diable fait. He tried to make us believe. Il cherche à nous faire croire que c'est sur tes œuvres that you receive the favor of que God. Vous recevez la grâce de favor Dieu. Is not given unto us la faveur ne nous est pas donnée because we did right. Parce que nous faisons du bien. It's given unto us il nous a été donné because we are born in God. Parce que nous sommes nés de Dieu. And when you understand this, mais quand tu comprends cela, you will begin to love even God more. Tu vas commencer même à aimer Dieu plus. And it will begin to affect the way you walk in et life. Ça va commencer à affecter la manière dont tu marches dans la vie. Are you listening to what est-ce I'm vous telling vous comprenez ce que je dis? Do you believe that God is better than your dad? Croyez-vous que notre Dieu est mieux who que votre père? God is a better father than que non, your biological dad? Que Dieu est plus meilleur que votre père biologique? Let me tell you something. Laisse-moi vous dire quelque chose. Did you always behave in your father's house? Est-ce que tu t'es déjà mal comporté dans la maison de votre père? Good. Did you always behave good? Tu as déjà fait du bien? Did your dad refuse to buy food that day because today you misbehave? Est-ce que votre père a déjà refusé d'acheter à manger à la maison parce que vous êtes mal comporté? Food, il est votre père, il donne your school, il donne à manger, il paye les écoles. Even in the sometimes he whoop you a little bit. Mais des fois il vous frappe you aussi. Are still his child. Vous allez toujours demander and demeurer even son when papa. You do wrong outside. Même quand vous faites le mal dehors. If the enemy wanna follow you in the house, your même dad will defend you. Même quand l'ennemi vient vous chercher. Vous cherchez à la maison, vous avez commis le mal, mais le père vous frappe l'ennemi. When we see ourselves in that dimension. Mais quand nous voyons dans cette dimension. It changes the way we live. Il change la manière nous vivons. It vivons. Is the goodness of God. Ça c'est la bonté de Dieu. The Bible say, la Bible dit that leads us into repentance. C'est la bonté de Dieu nous conduit dans la repentance. When you know how good God is, quand vous comprenez combien Dieu est bon, it leads you into repentance. Ça t'amène dans so la repentance. You take authority, okay? Vous prenez autorité. Number two, numéro 2. Second thing. Deuxième chose, it's what I call. I'm gonna speak on toxic people. This is what the Holy Spirit was telling. Je vais parler sur les personnes toxiques. The enemies of your destiny. Les ennemis de votre destinée. The enemy that will hinder you from walking into the open door in this season. L'ennemi qui va vous empêcher à marcher vers la porte ouverte en cette are saison. What I call toxic people. Sont ceux-là qui qu'on les appelle les personnes toxiques. Say with me toxic people. Dites avec moi toxiques, les gens toxiques. Now I heard a lot of people say. J'ai entendu beaucoup de gens dire. I heard a lot of people say. J'ai entendu beaucoup de gens dire. Toxic people. Les gens toxiques. Usually when someone criticizes me. C'est juste des fois quand les gens me critiquent. Behind my back. C'est-à-dire après derrière moi. I call them toxic people. Je les appelle les gens toxiques. Toxic people are not your friends who turn one time to be mad at you.
Donc les gens toxiques ne sont pas les amis, les gens peut-être ils se fâchent contre Because vous. Even the best of our friends, même nos meilleurs amis, sometimes can talk behind our back. Des fois ils peuvent nous critiquer. Oh, trust me ils peuvent parler that. Derrière If nous. Vraiment no, croyez-moi. You yourself, you are a true example. Si tu dis non, c'est-à-dire toi-même tu es l'exemple véritable. Your tu parles friend. Derrière les gens. Yeah, you do. Yeah, tu fais you les see, songs you guys are laughing. Tu fais les songs right? We Amen. Do. Nous les right? faisons. We make comment on our best friend. Nous commentons sur nos amis. If they hear it, they will be mad, but we do it. Mais s'ils écoutent, ils seront méchants. We hein? are not toxic. Nous sommes pas toxiques. It's human weakness. C'est une faiblesse humaine. Are you guys with me? Êtes-vous but avec who moi? Are the toxic people? Les gens, les personnes toxiques. That the Bible speak about. Qui sont les personnes toxiques Because dans I le, la Bible people, when they discover someone say something about them. Parce que j'ai connu des gens quand ils découvrent les gens de personnes qui parlent mal d'eux. Ils vont sur toxic les réseaux sociaux. People out of my life. Et des toxic people, des gens toxiques But sortent guess de what? Ma vie. Guess what? Imaginez-vous what quoi? You are accusing other people of doing against you. Quand tu sais que tu accuses les gens qui font derrière toi. Have you never done it against someone? Est-ce quand tu accuses les gens comme ça et toi est-ce que toi-même tu n'as you jamais fait cela? You caught your friend but you it just a matter they never caught you. Tu parles des gens mais c'est parce qu'on t'a jamais attrapé. Actually this is how we see life. Ça c'est juste la manière dont nous voyons la vie. Because people will blow up. Parce que les gens vont se Because somebody insulted them behind their Parce que les gens les ont insultés or somebody criticized his dress or our dress. Les gens les ont critiqués, on a critiqué ses they habits, go son vêtement. Online on social media they will blow up. Ils vont aller sur Facebook, ils vont They will never talk to that person enflammer. Again. Ils vont But jamais very plus parler something à ces personnes. They did against him or her also do it against other people. C'est la même chose il accuse les autres, c'est la même chose que lui aussi fait sur les autres. When you understand that what they did to me, quand vous comprenez ce qu'on fait de moi, I've also done it to people. Je l'ai aussi fait. You will forgive and have a heart tu of vas, compassion. Tu vas excuser et puis tu auras un cœur de compassion. These are the toxic people. Voilà maintenant les personnes toxiques. That the Holy Spirit told me in this season. Que le Saint-Esprit m'a parlé en cette saison. If you don't pay attention. Quand vous ne tirez pas attention, they will stop you ils vont vous arrêter from walking to your open door. D'aller vers la porte ouverte. Toxic people, according to the Bible, les gens toxiques dans le Bible, selon la Bible, it's in Psalm chapter 1. C'est dans le psaume 1, chapitre 1. Psalm chapter 1. Psaume 1. Verse 1. Verset 1, Psaume chapitre 1, verset. Il dit ceci. Blessed is the man. Heureux l'homme. That walketh not in the counsel of the wicked. Qui ne marche pas selon les conseils de méchants. Nor standeth in the way of sinners. Qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs. Nor sitteth in the seat of qui ne mockers. Pas en compagnie de mockers. Did you see the toxic people? Vous avez écouté, vous avez vu des personnes toxiques? Wicked people. Les personnes méchantes. Wickedness. La méchanceté. They desire to harm people. Leur désir, c'est de faire mal aux autres. To hurt people always. C'est-à-dire faire mal aux autres toujours. There was a young girl. Il y avait une petite fille. They told me. Qui m'a dit. No, they told me about her. On m'a parlé d'une jeune fille living in this city. Qui vit dans cette ville. She has friends. Elle a des amis. That group of friends. Ce groupe d'amis. What they do? Ce qu'ils font. They will sit down. Ils vont se mettre. They look at brother Adolf. Ils vont regarder le frère Adolphe. They say, let's create a lie. Ils vont se dire, créons un mensonge against brother Adolf, contre le frère Adolphe that will embarrass him so bad. Qui va l'embarrasser tellement. So they create lies ils créent le mensonge on people sur des gens so bad très mauvais that even though those people know that it's a lie, they can't even say it loud. Mais même si c'est même quand on connaît que ce sont des mensonges, mais ils ne peuvent pas les dire à haute voix. We call them wicked people. On les appelle des personnes méchantes. They have evil heart. Ils ont un cœur mauvais. Evil intent. Ils ont les mauvaises intentions. Evil mind.
Ils ont de mauvaises pensées. Their heart is disposed, is ready to do evil. Leur cœur est prêt à faire le mal. Are you guys with me? Êtes-vous avec moi? Because sometimes in life, parce que quelquefois dans la vie, we do things that we didn't mean. Nous faisons des choses que nous n'avons pas prévues. We say things that we didn't mean. Nous faisons des choses, right? Nous disons des choses but que nous n'avons pas prévues. But some people, they meditate on it. Mais il y a d'autres gens qui méditent sur le mal. It's right there, ready just to be released. Ils ont déjà des choses dans le ventre. Wicked people, le personne méchante, are the people that tells you. Ce sont des gens qui vous disent. When they give you counsel, ils te donnent des conseils, and advice, et de conseils that are wicked in nature, qui sont méchantes naturellement. They say if you walk in their path, et ils disent que quand tu marches dans leur voie, you are on the wrong path. Tu es sur la mauvaise voie. In this season, en cette saison, you need to become very careful. Tu dois vraiment être très à faire très attention. On people that give you evil counsel. Sur les gens qui te donnent des mauvais conseils. Counsel, there is a brother here. Il y a un frère ici. Another brother. Et un autre frère. Told him. Qui lui a dit. You married to your wife. Vous voulez vous marier à votre femme. But you know. Mais vous savez. You need to go outside too sometimes. Des fois il faut sortir voir ailleurs aussi. What is he gonna do to you? Qu'est-ce que ça vous fera? To the point the brother was bringing girls to him. Jusqu'au point où le frère amenait d'autres femmes pour le gars. Knowing that he was married. Sachant que c'était un homme marié. These are wicked people. Ce sont des gens méchants. And the devil send them. Et les diables les envoient. To block you from walking into your open. Pour vous bloquer de ne pas aller dans la porte ouverte. And number two. Et numéro deux. He said that the people who stand not in the way of sinners. C'est-à-dire les gens qui ne s'arrêtent pas sur la voie de pécheurs. Sinners here are people. Ici, les pécheurs sont des personnes qui ne croient pas en Jésus-Christ. But who live their life full in sin. C'est ils vivent leur vie pleinement dans le péché. They don't live by the law of God. Ils ne vivent pas selon la loi de Dieu. Because many of you have those kind of friends. Parce que beaucoup d'entre vous ont ce genre d'amis. They don't talk good about. No, not even talking. They just live. C'est-à-dire des gens qui vivent pleinement dans le péché. Any type of sin they do. C'est-à-dire toutes sortes de péchés. Number three, I love number three. Et j'aime le numéro 3. He said, and who sit not in the assembly of the mockers. C'est-à-dire le numéro 3, j'aime qui dit et les gens qui ne s'assiedent pas en compagnie des moqueurs. Mockers, these are people. Les moqueurs sont des gens. They always mock everything. C'est-à-dire ils se moquent de toutes choses. And you know, I don't like people who post things mocking pastors. Je n'aime pas des gens qui postent des choses pour se moquer de pasteurs. One day I wanted to post something. Un jour je voulais faire quelque chose. That a pastor did. Qu'un pasteur avait that fait. That was very ridicule. C'était vraiment ridicule. And the Holy Spirit rebuked me. Et le Saint-Esprit m'a réprimandé. Some of you sit with people that are criticizing Jesus. Il y a des gens qui se mettent avec des personnes qui critiquent même Jésus. Ah, Jesus is hanging on to Papa. And who was Jesus? Jesus and you a Christian, you laughing. And you as a Christian, tu es là en train de dire. You sit in their path, it blocks you from walking into the open door. C'est-à-dire, cela vous empêche à entrer dans la porte ouverte que Dieu a ouverte. And these things, sometimes we ignore them, but the enemy uses them to block what God is doing. Des fois, nous les ignorons, mais c'est le diable qui les envoie pour nous bloquer. Are you guys with me? Êtes-vous avec moi? Are you guys with me? Êtes-vous avec moi? And at the end, I say unbelief. Et à la fin, ils disent que les gens qui ne croient pas. Unbelief. Les gens qui ne croient pas. This is one of the greatest things. I'm going to give that message one day. Unbelief. Ça c'est une grande chose. Je vais donner un message un jour. Les gens qui ne croient pas. Les infidèles. Unbelief. Les gens qui ne croient pas en Dieu. It was unbelief. Les gens qui les gens qui ne croient pas. I say, he was unbelief. C'était un croyant. Yeah, c'était l'incroyance. C'était l'incroyance. That stopped Israel. Alors, c'était l'incroyance qui a empêché Israël de marcher dans la terre promise. Told you, je vous ai dit, what you say in your mouth, ce que vous dites de votre bouche, your heart must believe it. Votre cœur doit le croire. Are you guys with me? Est-ce que vous êtes avec moi? What you sing out of your mouth, ce que vous chantez de votre bouche, your heart must believe it. Votre cœur doit le croire. Because there are many people praying on Sunday who don't believe in God. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui prient les dimanches mais qui ne croient pas en Dieu. They don't believe. Ils ne croient pas en Dieu. I'm gonna tell you this. Je voulais dire. Il y a des gens qui ne croient pas, des incroyants. In the church. Dans les églises. What they say about God. Ce qu'ils disent sur Dieu. It's not what their heart. Ce n'est pas ce que leur cœur dit. Because salvation.
Parce que le salut, miracle, le miracle, breakthrough, permet is only when the heart believes. C'est juste quand le cœur croit and the mouth speaks. Et la bouche parle. Unbelief. L'incroyance. God has already spoken over your life. Dieu a déjà parlé sur votre vie. But you're still doubting. Mais vous êtes en train de douter toujours. Unbelief. L'incroyance. When God gives you a command. C'est quand Dieu vous donne un commandement. You don't obey. Vous n'obéissez pas. He closes the door. Ça ferme la porte. Because there are doors. Parce qu'il y a des portes. They will never be open forever. Qui ne peuvent pas rester ouvertes they will only pour toujours. Be open for a season. Ça s'ouvre pour une saison. And you have to walk through that door very fast. Et alors il faut vraiment courir pour entrer dans la porte. Because once it closes, parce que quand la porte est fermée, you might wait another 10 years tu peux attendre encore 10 ans before it open up. Avant que ça se réouvre. Are you guys with me? Êtes-vous avec Because moi? Because when I prepare something, but when I came to the Holy Spirit, say toxic people. Quand le Saint-Esprit m'a dit les personnes toxiques. Listen, you cannot be a Christian. Écoutez, vous ne pouvez pas être un chrétien and sit in the company of mockers. Et se mettre dans la compagnie des moqueurs. Not only people who mock God, pas seulement les, dieux qui, les personnes qui se moquent mock de Dieu. Everything that is of et good se moquent de toutes choses. They ridicule everything. Et the Christians see their life. Ils ridiculisent toutes choses. There are even show, even comedy we should not even laugh at. Il y a même des comédies que nous ne devons même pas rire. We should not laugh at. Nous ne devons pas. Because he will corrupt something in you. Ça va corrompre quelque chose en vous. Are you guys with me? Est-ce que vous êtes there avec are moi? Comedies that are good, but il y a some des comédies qui sont mock everything that is divine, everything that il y a is of good des comédies qui sont bonnes, and we believers we've been reposting them. Il y a des comédies qui manquent de la croyance de Dieu et nous sommes là en train de le regarder, you're nous sitting, rions même. You're in the company of mockers. Ça veut dire là tu te mets en compagnie des moqueurs sans le savoir. Are you guys with me? Est-ce que vous êtes avec moi? Christianity is life full of wonders. Ça, la chrétienté c'est une vie pleine de God merveilles. Wants us to experience all. Et Dieu veut ce que nous expérimentons ces but merveilles. But the things blocking us. Mais les choses qui nous arrêtent. Are very small. Ce sont de petites choses. And often we don't see it. Et souvent que nous ne voyons pas. Often it's not witchcraft. Ce n'est, la plupart des temps, ce n'est pas la sorcellerie. It's not witchcraft. Ce n'est pas les sorciers. Just little stuff. Ce sont de petites choses. Little stuff. Petites choses. Like a bad choice in life. Comme de mauvais choix dans la vie. Can stop you from walking through the door. Vous pouvez vous empêcher d'entrer dans la porte. Not knowing the will of God. Ne connaissant pas la volonté de Dieu, can derail you to the wrong door. Peut vous amener dans une mauvaise because porte. When God opened doors, parce que quand Dieu ouvre une porte, the enemy also opened doors. Parce que en même temps si le diable aussi ouvre ses like portes. God's door, et ses portes ressemblent à la porte de Dieu. Is for the enemy. Mais c'est une porte de diable. Are you guys with me? Est-ce que vous êtes avec moi? So the Lord spoke to me, et le Seigneur m'a parlé. Say, I've opened doors. Et a dit que non, j'ai ouvert les portes for them. Pour eux. It's open. C'est ouvert. You need to walk through it. Il devait passer dans cette porte. Be careful. Vraiment faites attention. Of the mockers, de moqueurs, sinners, de pécheurs. You as a child of God, you, vous en tant qu'enfant de Dieu, always be among sinners. Vous ne pouvez pas toujours être parmi Jesus les pécheurs. Was with sinners to preach them the kingdom. What are you doing among them? Jésus est allé vers les pécheurs pour le prêcher. Vous qu'est-ce pour le prêcher, vous, que faites-vous parmi les pécheurs? The counsel someone is giving, is it divine counsel? Les conseils que de conseils qu'on vous produit sont des conseils de Dieu? Are you guys with me? Est-ce que vous êtes avec moi? Are you using your authority as a child of God? Est-ce que utilisez-vous votre autorité comme enfant de Dieu? When you see demonic cycle in your life, quand vous voyez de cycles démoniaques dans vos vies. Are you still disbelieving what God has already spoken over your life? Est-ce que continuez-vous à ne pas croire ce que Dieu a déjà parlé sur votre vie? Because oftentimes, I'll parce finish here. Je vais finir ici la plupart du temps. Enemies in front of us. Quand nous voyons l'ennemi devant nous. When God gives you a promise. Quand Dieu te donne une promesse, te fait une promesse. Enemies rise up. Et l'ennemi s'élève. When people see enemies. Quand les gens voient les when ennemis. When they see conflict. Quand ils voient les when conflits, they see problems, quand ils voient des problèmes, they stop believing what God has ils arrêtent spoken. De croire à ce que Dieu a dit. If God say, I will bless you, et si Dieu a dit, je vais vous bénir, no matter what will come against peu importe ce qui va venir contre vous, keep believing what God say. Gardez la croyance. Let croyez us give ce a big hand for the glory of acclamons God. Acclamons pour la gloire de Dieu. Hallelujah. So I'm going to stop here. Je vais m'arrêter ici. And will be a Sunday. Il y aura un dimanche. We will be a Sunday. Il y aura un dimanche. On aura un dimanche.
We will be here Sunday. Oh, on sera ici le dimanche. Amen. Amen. And this Sunday will be our last Sunday here. Ce dimanche sera notre dernier dimanche ici. Next Sunday, le dimanche qui va venir après in, ça. In the new building. Ça sera dans notre nouveau bâtiment. Amen. Amen. And by the grace of God, all the works will be done this weekend. Par la grâce de Dieu, tous les travaux seront finis cette Next Friday we won't have a service here. Le vendredi prochain, on n'aura pas de service ici. Because we will start moving the stuff I think Monday. À déménager, à amener les histoires. So if you have free time, et vous avez un temps, si vous avez un temps libre, working, si vous ne travaillez pas, we're gonna need people there, on aura besoin des gens to clean, pour to nettoyer, do different stuff. Pour faire de travaux. So next Sunday we'll be there. Et le dimanche, pas ce dimanche, mais le dimanche qui suivra. And I believe great things are waiting us on the other side there. Et je crois des grandes choses nous attendent de l'autre côté. Amen. Amen. Great things. Des grandes choses. Amen. Amen. I say great things. Je dis grandes choses. So, keep praying for us. Donc, continuez à prier pour nous. And for those who have given the donation. Et pour ceux qui ont déjà fait des dons. God bless you. Que le Seigneur vous bénisse. Especially a lot of people we only told you like 2 days. Il y a d'autres gens que nous avons dit juste 2 jours avant. And you did send the blessing, may the Lord remember. Et vous avez envoyé la bénédiction, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Every time we'll be in that building, something will be happening in your life. À chaque fois nous serons dans ce building, quelque chose va commencer à se passer dans votre so vie. So you're gonna bow your head. Vous allez incliner vos têtes. You're gonna thank God for the open door. Vous allez remercier le Seigneur pour la porte ouverte. In your life. Dans votre vie. Just say thank you, Father. Juste dites merci Père. For the open door. Parce que le porte ouverte. He has opened a door for you. Il a ouvert le porte pour vous. No one is gonna close it. Personne ne fermera. But if you let toxic people around Mais you, si vous laissez les personnes toxiques, they will block you. Ils vont vous bloquer. If you don't take your authority, si vous ne prenez pas autorité against demonic cycles, sur le cycle démoniaque, the enemy is gonna stop you. L'ennemi va vous arrêter. And if you let unbelief and doubt rule in your heart, et si vous laissez le doute et l'incroyance dominer votre cœur, he will stop you. Il va vous arrêter. But God has already opened a door for you. Mais Dieu a déjà ouvert une porte pour vous. God has already opened a door. Dieu a déjà ouvert une porte pour to vous. To know Him. Pour le connaître, to serve him, pour le servir, to walk with him, pour marcher avec lui, to be blessed financially, pour être béni financièrement, to have kids, pour avoir des enfants, to have business, whatever your heart desires, pour avoir les affaires, tout ce que votre cœur désire. The door is open. La porte est ouverte. Begin to thank him. Commence à les remercier. And ask the Holy Spirit. Et demande au Saint-Esprit. Help me to walk through that door. Aide-moi à marcher dans cette porte. Because there will be many enemies. Parce qu'il y aura beaucoup d'ennemis. Inside and out that will rise up against you. À l'intérieur, à l'extérieur, qui vont s'élever contre vous. To stop you, say, Father, give me the strength. Dis Seigneur, so that I can walk. Donne-moi la force, afin que je marche, que je entre. And manifest the things that you want me to manifest. Manifeste les choses que tu veux que je manifeste. Begin to pray in the name of Jesus. Begin to pray. Hallelujah. Merci. Father, we give you the glory in the name of Jesus. Receive the glory, Father. Receive the honor, God. Oh, we worship you, Father, and we pray, God, that you will, Father God. We thank you for the door that is open. We're walking through another dimension, God. Another dimension of power. In another dimension, in the prophetic utterance. In another dimension of knowledge and revelation. In another dimension of financial prosperity. In another dimension, Father God. Hallelujah. Of fame, we're walking in another dimension. The door is open, God. Your power is truly moving like never before in our lives. The enemy can never stop us, but I know, Father, he will try to use our flesh against us. He will try to do stuff so that we will stop believing in the reality of what you told us. He will send people around us, God, to distract us, to derail us from the path you've already opened for us, Father. Give us wisdom.
Give us strength. Give us discernment so that we will know, Father God, the season in which we are, and know, Father God, what is available for us, and be able to know what the enemy is trying to do against us. Father, nothing will happen in our life that you haven't warned us. And when you warn us, God, give us grace so that we will, Father God, take the course that you will show us, God. There are those that you've already called to walk with you. Their family, their parents, their friends are against them. Father, give them strength. Give them strength to never give up. In the name of Jesus. In the name of Jesus.